Hey, salut à tous, je suis trop content aujourd'hui car comme vous pouvez le voir sur l'écran, après le tweaking trick de Shaymin, j'ai dit que j'allais le resetter et ça y est, il est enfin tombé shiny. Au bout de 1000... Attendez, je regarde mon compteur. 1057 resets. Donc ça fait à peu près... avec les vacances et tout ça, ça fait 3-4 semaines que je fais des resets un peu tous les jours, au moins 50 minimum, et enfin il est tombé là. J'en ai fait une dizaine à peu près, puis enfin il est tombé. Bon, bref, on va se lancer dans sa capture là. Donc, je sais déjà ce que je vais faire, je vais me booster. En faisant croissance, vu que j'ai pas une team pour le faux charger, etc. Vu que je suis encore au troisième badge, donc j'ai pas battu la ligue, j'ai pas des Pokémon super forts. Mes Pokémon, je crois, mon plus haut Pokémon est au niveau 27, si je me trompe pas. Donc, alors là, je vais me booster pour lui enlever un maximum de PV. Alors, je sais pas si c'est la nuit. Vu que j'ai pas de boule particulière pour le capturer, donc j'ai regardé mon Pokémon le plus fort est au niveau 30 et c'est Papagoulant, Prinplouf. Donc comme boule j'ai 9 Pokéball, 11 Sombre Ball, 40 Hyper Ball et 4 Super Ball. Donc bon, moi j'aimerais bien le capturer dans une Pokéball. Mais d'abord je vais me booster. Pour lui enlever un maximum de PV et puis le capturer. Puis maintenant que j'aurai Shaymin, je pourrai faire le Tweaking Trick de Darkrai. Alors on va faire une dernière croissance, puis après je vais l'attaquer. Bon, boule armure, on augmente sa défense. Moi j'attaque dans le spécial, on s'en fiche un peu. Franchement, je suis content de ce shiny depuis le temps que je l'attendais. Comme quoi, faut être patient, quoi. Faut jamais abandonner. J'espère que je vais pas le mettre KO. Non. Pour ce que je lui enlève, non, je vais pas le mettre KO. Bon, on va déjà essayer de l'enlever. Oh, s'il fait synthèse à chaque fois, je suis dans la merde. Bon, on va essayer de tenter une Pokéball après cette attaque. Alors, giga sursaut. Bon, bien sûr, vu que je l'ai reseté, c'est-à-dire que j'ai pas utilisé l'action replay. Sinon, j'aurais pas fait le Tweaking Trick pour vous le montrer. Puis, avoir l'action replay, ça sert à rien. De toute façon, si je le transfère dans les. Dans. Via la Pokébank et tout ça, je pense qu'il passera pas. Donc. Je préfère l'avoir légalement, quoi, avec beaucoup de patience. Tiens, il remet les étoiles. Je savais pas ça. Comme quoi, il est chromatique. Je me rappelle à cette époque, on disait shiny ou shiny avec un accent de merde. Ou soit il est brillant. Bon, allez, il rentre dans cette putain de Pokéball. Ah ouais, à chaque fois il y a des étoiles, c'est cool ça. J'avais jamais remarqué. Je sais pas si ça allait faire dans les nouvelles versions. Bon, on va tester la sombre ball, hein, on est mort. Vu qu'il fait nuit, ce sera peut-être plus efficace. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Attention. Oh l'enfoiré! Ah, il me troll en plus, il est là! Ah! Ah l'enfoiré! Bon, je vais essayer de l'affaiblir. Un autre coup. Mince, j'ai fait croissance. Bon, c'est pas grave. J'espère que tu vas pas me mettre KO. Bon, allez, je vais faire un giga sans suivi histoire de l'affaiblir. Mon Roselia est quand même plus lent que lui. Allez.
Bon, Vampigraine, je suis de type plante, ça m'affectait pas. Je vais regagner un peu de vie en plus, j'espère pas faire de coup critique. Ouh, coup critique! Ah, j'ai eu du bol. Putain. Oh là là, j'ai eu du bol de pas le mettre KO. Je l'aurais mis KO, j'aurais ragé toute ma vie. Allez, sombre bol. Je pense que cette fois-ci, ça va être bon. J'espère. Hein. Ok. Bon, sinon, je vais tester l'hyperbole. Ah là là, j'espère que la vidéo va pas être trop longue par contre. Allez, sombre ball, go. Et deux, un. Et deux, deux. Et deux, trois. Yes! Enfin! Putain. Ah, je suis trop content. Si vous saviez le temps que j'ai attendu là, ça. Je me demande même si ça fait pas un mois que je le reset. Pokémon Gratitude, il peut dissoudre les toxines dans l'air pour les transformer. Hein? Quoi? Il peut dissoudre les toxines dans l'air pour transformer un désert en champ fleuri, pardon. En champ de fleurs luxuriantes. Bon, bref, vous avez remarqué que je ne sais pas lire. Oh. Un surnom. Bah, justement, je vais vous laisser choisir, enfin, laisser choisir. Faites une proposition pour le surnom de ce shiny. Il va rejoindre le Critzik, que j'avais rencontré aléatoirement au tout début du jeu. Donc, laissez un surnom pour ce shiny. Je le renommerai plus tard. Ah, il a été envoyé dans la boîte. Donc, je vais faire une petite sauvegarde quand même. La sauvegarde qui fait du bien. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, partager. Suivez-moi sur mes pages Facebook et Twitter. Je vais quand même voler pour aller voir dans la boîte quelle nature il a et tout. Alors Pokémon. Vol. Alors, je vais aller là. Voilà, Rock. Donc, ouais, je suis super content de l'avoir enfin, là. Depuis le temps. Il a dû rejoindre son critique. Alors là, il y a le fameux critique Shiny que. Dont j'ai trouvé le surnom, mais je l'ai pas encore renommé. Je renommerai quand je l'importerai sur Rossa. Alors, résumé. Donc, il n'y a pas le numéro du Pokédex, j'ai pas le Pokédex national encore. Ah, il est sérieux. Ok. 27 mai. Bon, la date, c'est pas forcément la bonne. Médic nature, ok. Bon, bah, c'est super. Ah, je suis content. Allez, bon bah je vous souhaite une bonne journée. Bonne chance si vous chassez, resetez en horde sur Rossa ou dans les anciennes versions. Donc, big fan peace. À plus les gens. Amusez-vous bien sur Pokémon.